Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation et on vous parle de mémoire DDR4 par HyperX avec un kit Fury RGB qu'on a reçu en deux fois 16 Go 3200 CL16. Un kit qui proposera donc une bonne vitesse adaptée au processeur Intel, au processeur AMD et qui permettra aussi une personnalisation puisqu'on a le RGB gérable via le logiciel Ingenuity de la marque. Un kit qui sera proposé à un tarif de 195 euros environ. On vous propose de le découvrir, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. À l'intérieur de notre kit, on va retrouver deux barrettes. Des barrettes qui proposent un PCB noir avec un dissipateur en aluminium. Sur le dissipateur en aluminium, on a le logo HyperX qui est en laser cut, le logo Fury peint en blanc et un petit logo DDR4. Sur la tranche supérieure, on va avoir le droit à une petite barrette en plexiglas dépoli avec un logo HyperX. Et bien sûr, on est sur du RGB. Vous pourrez ainsi, appliquer la couleur que vous voulez via le logiciel NG de la marque. Au niveau des dimensions, sachez que la barrette fait 133 mm de longueur, elle fait 43 mm de hauteur à son point le plus haut et son épaisseur est de 5 mm. Au niveau des caractéristiques techniques, on est donc sur un kit 2 fois 16 Go en 3200. Au niveau des timings, on est sur du CL 16, 19, 19. Au niveau de la tension appliquée sur les barrettes, on est sur 1,35 volts. On passe maintenant à l'installation de nos barrettes mémoire. Alors comme on est sur des barrettes qui font 43 mm de hauteur, ça s'adaptera à presque tous les de CPU puisque ça va pouvoir passer sous le ventilateur. Donc on ouvre les taquets. On repère bien le côté le plus court du côté le plus long. De toute façon, il y a quelque chose de très simple pour pouvoir installer les barrettes mémoire directement dans le bon sens. Le petit autocollant, qui n'est pas très beau, va toujours derrière. Ensuite, on prend les barrettes, on les enfiche à l'intérieur des caches, on appuie et la barrette mémoire est installée. Comme vous pouvez le voir, c'est hyper rapide, hyper simple. Et vous le voyez, ici sous notre Dark Rock, on est bien au moins 1 cm sous le ventira de CPU. Ce qui veut dire que vraiment, on aura de la marge avec beaucoup de ventira de CPU pour ne pas être bloqué à cause des barrettes mémoire. On a terminé la découverte de ce kit HyperX Fury RGB avec nos petites barrettes mémoire allumées et donc le système RGB qui va éclairer toute la partie supérieure via un plexi qui est dépolie, ce qui fait qu'on a une belle harmonie des couleurs. Vous le voyez, la transition se fait comme si on était sur un seul bandeau de LED qui était totalement illuminé et que la lumière traversait totalement la barrette mémoire. On ne voit nullement les diodes, ce qui est très appréciable et ce qui permettra d'avoir des supers effets au niveau du RGB. Pour pouvoir configurer le RGB, vous avez le logiciel Engine unity de la marque qui vous permettra d'appliquer du blanc, du rouge, du vert, du multicolore, du respirant, du clignotant, bref, absolument tout ce que vous voulez. Sur ce, on se donne rendez-vous prochainement sur Cocoteland.com pour toutes nos news et tous nos articles et sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. On vous dit à très bientôt et joyeuses fête à tout le monde.